programme de la journée. On est jeudi. Le jeudi, c'est bibliothèque du village, donc juste en face de la maison. Normalement, on ouvre de 10h à 11h30. En général, j'y vais à 10h et puis je pars vers 11h. Enfin, ça dépend. Si c'est moi qui fais la permanence, je reste forcément jusqu'à 11h30. Sinon, si l'autre dame est là, je pars avant la fin. On a plein de livres à rendre. Voilà. Après, on travaille. Donc avant, il faut que je fasse du ménage. J'ai pas besoin de faire à manger à midi. Et du coup, pendant l'IEF, je ferai le goûter et le repas du soir. Il faut que je fasse des caramels et de la pâte de coing aussi. Et l'autre point de la journée, c'est la piscine de mon fils, mais c'est ma mère qui le fait. Donc elle vient vers 5h. Il faut qu'elle parte à 5h10. Du coup, elle la ramène à 19h et elle ramène la grande aussi qui finit à 17h. Donc on mange un peu plus tard, parce qu'en général on discute. Voilà, donc il faut, on a que une heure pour travailler ce matin et on a 2 heures, on travaillera 2 heures de 2 heures à 4 heures. Je sais plus si j'ai parlé, j'en ai parlé. C'est ça qu'ils prennent mes enfants comme vitamine. Hop. Que je prends à la fourche. Alors, les vitamines qu'il y a dedans, c'est C, B3, E, B6, A, B9, B8. B8, ça existe, B8? Je suis pas sûre. D3, B12. Les lettres sont très mal faites, en fait. Et à chaque fois, ça fait 100% d'apport journalier pour 2 ours. Sauf la A, c'est 20% et la B9, c'est 50%. Du coup, moi, je leur donne que 1 par jour parce que je me dis que ça leur fait 50% d'apport journalier et que le reste, il est quand même dans l'alimentation. Donc, c'est vraiment un supplément. Ils en ont fini 1. Donc, 1, ça fait 15 jours pour moi puisqu'ils sont... Il y a 60 et j'ai 4 enfants. Voilà. Goût orange, citron, framboise. Et vous aimez pas quoi? Orange. Les oranges, vous aimez pas? Ouais. Bah bon, du coup, ils finissent par ça. Et ils en prennent autant chacun. Orange. Citron. Oui. Framboise. Et c'est tout. Moi, je prends... Je prends pas de vitamines. Je prends le matin du kéfir. Je l'ai montré, je sais plus si j'ai montré comment je le faisais, j'ai pas besoin d'en faire. Oui. Alors il y a Intermarché qui fait, enfin notre Intermarché qui fait un concours de dessin d'Halloween, donc elle a fait ça et c'est ma fille qui a 9 ans et 9 ans et demi, 9 ans et 10 mois, non et 11 mois presque. Il faut qu'on la porte samedi. Donc je disais le kéfir, mais je l'ai pas refilmé là, je crois pas. Et là j'ai pas besoin d'en faire, j'aurais dû y penser. Le kéfir, je prends du miel lacto-fermenté. Donc j'ai mis du miel et dedans j'ai mis de l'ail, du gingembre, du curcuma frais, du romarin, du thym. Je sais plus. J'ai fait lacto-fermenté à l'extérieur, enfin à température ambiante pendant 3 semaines, je crois. T'as pris 2 cuillères. Et après, j'ai mis dans le frigo, donc je prends une cuillère par jour. Elle est trop grosse. Chut. Et il faut que je fasse du vinaigre de feu. C'est la même chose, mais c'est dans du vinaigre. Et pareil, il faut prendre une cuillère par jour. Donc c'est plus pour booster le système immunitaire, mais c'est pas forcément pour les vitamines. C'est tout ce que je prends.
Et en ce moment, je prends de l'électuaire, mais c'est juste. C'est un mois. Je fais un mois septembre-octobre et un mois au printemps. Je viens de découper le patron du sac banane. Mais il est 18h15 et j'ai plus qu'un enfant là et les trois autres arrivent à 19h. Donc je sais que j'ai pas le temps de couper et coudre. Et là, mon sac, il en est ici. Donc là, je vais juste faire un truc à l'arrache pour demain. Je vais juste plier, hop, comme ça, et faire une couture comme ça. Juste pour que ça tienne encore demain. Et alors, tous les morceaux du sac banane, j'ai posé le papier sur l'écran et j'ai tout recopié et coupé sur les feuilles de brouillon. Faut pas que j'oublie que demain j'imprime la carte de France à la bibliothèque. Du coup, il me reste 3 quarts d'heure, donc je vais faire les housses de bouillotte à la place de faire le sac banane. Il faut que je remette un bouton sur les pantalons de travail de ma fille aussi. Pour faire la housse de bouillotte, rien de plus simple. Alors, c'est un pull en laine. Je pense que c'est de la laine. J'en sais rien. Ça ressemble à de la laine en tout cas. Hop. Laine 80% et 20% polyamide. Laine d'agneau. C'est un truc troué que j'ai récupéré je sais pas où. Là, il y a des trous. Il y a plein de trous derrière, en fait. Là et là. Je m'en fous s'il y a des trous. Je les raccommoderai vite fait. C'est pas un truc qui doit être beau. Ça doit juste protéger... des brûlures quand c'est trop chaud et ça permet de garder la température de la bouillotte beaucoup plus longtemps. Alors je n'ai pas de bouillotte en noyau de cerise parce que je n'ai pas de four micro-ondes et que les radiateurs, enfin c'est des vieux radiateurs et c'est pas des radiateurs qui chauffent très fort, donc je ne peux pas chauffer les noyaux de cerise. Et allumer le four pour ça, enfin le temps que le four il soit chaud, c'est pas intéressant. Donc je fais chauffer mon eau et je réutilise tout le temps la même. Et c'est du caoutchouc véritable et c'est fabriqué en France. En tout cas la mienne, elle est fabriquée en France, celle des petits, je sais pas. Achetée à Intermarché, 4 euros je crois. Alors, donc je pose dessus, enfin là je vais le retourner en fait, je vais faire à l'envers. Je pose dessus, je vais juste découper comme ça. Je vais même pas me prendre la tête à faire un patron ou je sais pas quoi. Voilà, je fais comme ça. Je découpe tout autour en laissant une marge. Et après, je couds tout autour et ça suffit. Parce qu'en fait, bon là, elle est pleine. Mais quand elle est vide, on la plie et on la rentre dans le trou, enfin le goulot du tissu. Autre technique de flémarde, j'ai mis le bord hop, ici, comme ça. Ça c'est le bas du pull. Alors il y a des boutons hein, qu'il faudra que j'enlève. Comme ça j'ai pas besoin de faire d'ourlet ici. Je fais juste la couture tout autour et ici c'est bon. Alors soit on a une surjeteuse et on fait juste à la surjeteuse autour. Moi je vais faire d'abord la machine à coudre comme ça et ensuite je vais passer la surjeteuse autour. Et si on n'a pas de surjeteuse, après avoir fait la première couture, on fait le point zigzag, parce que comme c'est de la laine, enfin c'est tricoté, ça va s'effilocher sinon. Alors, résultat. Donc voilà. J'ai les boutons à l'intérieur. Donc
J'ai une couture, je sais pas si on voit. On voit, c'est pas lumineux ici. Et le surjet. Donc j'ai juste à retourner. J'ai pas changé les fils de la surjeteuse hein, ou de la même de la machine à coudre. C'est du blanc, on s'en fout. Déjà c'est dans le lit. Le fil est blanc, ça s'ouvre pas. Et en plus c'est dans le lit. Alors j'ai les boutons à enlever, mais c'est pas grave. Faut que je vide l'air. Alors je la roule, donc forcément j'ai vidé l'eau. Hop, je la rentre dans le trou. Il n'y a pas besoin de faire, je sais pas quoi, un truc fermé, un truc qui se ferme. Je l'enlève jamais de la housse, la mienne. Je vide l'eau dans la casserole, je la remets. Hop, et voilà. Bon, c'est à peu près, hein. C'est pas... La mienne, elle est plus serrée. Là, j'ai mis plus de marge. Alors, on met plus ou moins de marge. Il n'y a rien de grave. Voilà. La différence de prix avec la housse, je crois que donc, elle était à 4 euros. Et avec la housse, elle devait être à 10 euros. Ça m'a pris 20 minutes en filmant en plus. Donc, voilà. Du coup j'ai pas le temps de faire la deuxième parce qu'il faut que j'aille voir les lapins et il fait bientôt nuit. Peut-être que je ferai la deuxième tout à l'heure, ça serait bien. Il est fini. Je suis pas sûre que le bonnet soit super bien placé en fait. Donc un cadeau de Noël en moins. Au jardin, j'ai trouvé les fleurs de bourrache. C'est marrant, elles se ressèment pas forcément à l'endroit où elles poussaient l'année dernière. Et j'en ai qui sort. Enfin là, celle-là, elle est sortie il y a pas longtemps. Je suis en train de faire de la pâte de coin avec des coins qu'une dame de l'échange de savoir m'a donné. Il y avait 1,5 kg. J'ai rajouté juste 750 g de sucre. J'ai récupéré un peu de jus pour faire de la gelée, mais je vais faire genre deux pots. Et donc 1,5 kg de fruits. Enfin de pâte de fruits. 1,5 kg plus 700 g. Non, parce qu'on perd de l'eau après. Donc ouais. 1,5 kg de pâte de fruits. Que je vais faire sécher sur les radiateurs. J'ai fait du caramel juste avant, des caramels juste avant, parce que demain on a du monde, voilà, là il est 19h, ils vont arriver, on va manger. À midi c'était des restes, au goûter c'était des spéculoos, et là c'est une tarte courgette, donc pâte brisée, courgette, butternut, et j'ai mis 2 œufs et de la crème d'amande, j'ai mélangé, j'ai mis dessus avec du fromage. C'est une recette où il y avait du fromage de chèvre normalement, mais on aura été une personne de moins encore à en manger. Les deux petits, ils vont pas en manger, donc il reste du sarrasin. Et j'ai fait du pain. Voilà. C'est bon, c'est tout. Oui, les trottoirs, il n'y a plus de lumière. Donc j'ai fait la deuxième, toujours dans un pull. C'était un pull sans manches que je gardais depuis super longtemps parce que c'était tout doux, mais je savais pas quoi en faire. Et donc il me faut moins de 10 minutes en fait pour faire ça. Rangement compris.